Bonjour Michel de PIXA PICTURES. La photographe dont je vais vous faire le portrait aujourd'hui a commencé la photo en empruntant le Polaroid de Serge Gainsbourg. A tout de suite. Cette photographe, c'est Kate Barry. Elle est née en 1967 en Angleterre. C'est la fille du compositeur John Barry et de Jane Birkin. Elle n'a pas connu son père car Jane Birkin et John Barry se sont quittés à sa naissance, mais elle va être élevée par les deux compagnons de sa mère, c'est-à-dire Serge Gainsbourg et Jacques Doillon. Elle va vivre avec ça va former un clan avec ses deux demi-sœurs, Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg. Dans cette famille recomposée, Serge Gainsbourg avait un appareil photo, un Polaroid, il faisait beaucoup de Polaroid, et il n'aimait pas trop qu'on touche à cet appareil, sauf justement Kate qui avait le droit de l'utiliser, et c'est comme ça qu'elle a commencé la photo, en faisant des Polaroids évidemment, de sa mère, de Serge Gainsbourg, puis de ses deux demi-sœurs. Voilà comment a commencé sa passion de la photographie. Alors elle va abandonner bien évidemment le Polaroid pour prendre un autre appareil photo, hein, et en 1996, elle a 28 ans, elle se lance définitivement dans la photo professionnelle. Alors un de ses premières photos qui va devenir célèbre, c'est en 2003 où elle va photographier, elle va faire l'affiche de l'association Ni pute ni soumise. Je vous montre la photo qu'elle a faite qui a servi justement un peu d'emblème pour cette association. Alors elle va évidemment côtoyer, grâce justement à toute sa famille, avec Doillon, avec Gainsbourg, avec Birkin, elle va être en contact avec beaucoup de personnalités et elle va commencer à faire beaucoup de portraits de tous les gens qu'elle va rencontrer. Alors évidemment, elle va faire beaucoup de portraits de sa sœur, de ses deux sœurs, Charlotte justement et Lou Doillon. Elle va faire beaucoup de portraits de sa mère aussi, beaucoup, je vous montre quelques photos de sa mère et puis de ses deux sœurs. Elle va faire beaucoup, mais aussi elle va commencer à travailler professionnellement, elle va travailler pour Vogue, elle va travailler pour Harper's Bazaar, elle va travailler pour plein d'autres magazines, Figaro Magazine, Figaro Madame, où elle va photographier alors Laetitia Casta, Catherine Deneuve, Laura Smet, etc., etc. Elle va faire un peu toutes les Françoise Hardy, France Gall, etc., etc. Elle va photographier plein de portraits, justement, le plus souvent en noir et blanc, mais aussi en couleur, de toutes ces personnalités. Alors, au niveau technique, elle n'était pas tellement balèze, hein, mais elle s'est entourée tout de suite d'assistants, de gens très performants, et notamment, elle a travaillé avec l'assistant qui était l'assistant de Sarah Moon, celui qui avait remplacé Machiavel lorsqu'il était mort, à l'époque où moi je travaillais aussi avec Sarah Moon. Lorsque Machiavel est mort, un autre assistant l'a remplacé et il travaillait aussi avec justement Kate Barry. Alors c'était quelqu'un en photo de très superstitieux, elle avait des tics, des manières. Alors, quand on regarde un peu ces photos, l'ensemble de ces photos, il y a un truc qui revient tout le temps, que j'ai trouvé qui est assez étonnant, c'est des chaises. Il y a toujours des photos de chaises dans ces photos. Alors, elle était très attachée, il fallait absolument qu'il y ait des chaises, ça la rassurait, on ne sait pas pourquoi. Donc, je vous montre quelques photos où on voit notamment des personnages comme ça, des photos qu'elle faisait, même des photos de pub, où on voit tout le temps, à un moment, il y a toujours un élément de chaîne. Alors, quand elle faisait ces photos, elle avait aussi notre tic, c'est-à-dire qu'elle arrivait toujours avec une paire de chaussures de Converse, qu'elle avait toujours, c'était toujours la même paire, qu'elle mettait avant de commencer à faire des photos, et pendant toute la prise de vue, elle était toujours avec cette paire de Converse. Alors, son style est très épuré, puis on voit bien que, comme elle faisait partie un peu de ce milieu, c'est-à-dire que c'est vrai aussi que toute sa famille était plus ou moins harcelée par les photographes, elle a toujours été entourée de gens qui la photographiaient ou qui photographiaient, etc., que ce soit son Serge, que ce soit le Jacques Doillon, sa mère aussi, elle était dans un... Donc sa façon de photographier les gens célèbres était très naturelle, très spontanée. Alors en plus, elle était copine avec pas mal de ses modèles, hein, notamment Laetitia Casta, mais aussi elle était très amie avec Sarah Moon, qui va faire un portrait plus tard, lorsqu'elle va décider, un portrait très attachant de Kate Barry. En 2002, elle a décidé un peu de changer et elle s'est mise à faire des paysages. Alors c'est des paysages très bizarres, très sombres, très... Il faut dire que psychologiquement, elle était assez perturbée. Elle a traversé aussi une période de drogue et de tout ça, qu'elle est arrivée à se détacher. D'ailleurs, elle a participé à une association, elle a généré une association pour que les gens se sortent de la drogue. Donc c'était quelqu'un d'assez écorché vif. Au moment où elle commence à travailler, faire beaucoup de, elle a fait des pubs, elle a eu des commandes, notamment elle a eu des commandes pour faire les gens qui travaillaient à Rungis, etc. Elle était en pleine gloire. Et c'est vrai que là, elle devait changer d'appartement. Et en 2013, on ne sait pas pourquoi, elle est tombée de son nouvel appartement qu'elle devait aménager, du 4e étage, elle est tombée du balcon. Elle est morte comme ça en tombant du balcon. Alors on ne sait pas si elle a eu un malaise, on ne sait pas si elle s'est suicidée. Enfin, sa mort reste très mystérieuse. Elle est enterrée au cimetière de Montparnasse. Et étrangement, quelqu'un va la rejoindre, puisque dernièrement, Jane Birkin est morte, et sa mère est morte. Et donc Jane Birkin, elle a été incinérée au Père Lachaise, mais les cendres ont été transportées sur la tombe de Kate Barry. Donc on peut voir à Montparnasse, au cimetière de Montparnasse, la tombe de Kate Barry avec le portrait et l'espèce d'urne de sa mère, Jane Birkin. Et ce qui est très étonnant, c'est que à quelques mètres de là est la tombe de Serge Gainsbourg. D'ailleurs, sur cette tombe de Serge Gainsbourg, on voit toujours des tickets de métro par rapport à la chanson qu'il avait faite. Ça a été une vie très courte, professionnellement aussi, mais tous les gens qu'elle a photographiés trouvaient que c'était faire des photos avec elle, c'était assez extraordinaire, très intimiste, un peu comme si c'était de la même famille, c'était toute une espèce de clan comme ça, voilà. Alors si vous voulez voir les photos que, justement, de Kate Barry, il y a un très bon livre aux éditions de La Martinière, je vais y arriver, où on voit justement un portrait, là ici, de Laetitia Casta. Et là, on voit un peu, le titre c'est Kate Barry, My Own Space, voilà. Et donc, c'est en français. Alors évidemment, il y a toute une partie où on voit les photos de sa demi-sœur, comme là, Charlotte. Voilà. Il y a aussi beaucoup de photos de sa mère. Voilà. Encore Charlotte Gainsbourg. Vous voyez, c'est un peu classé par thème. Ça, c'est aussi des photos de son autre demi-sœur, Lou Doillon. Vous voyez, c'est des photos assez sympas. Alors, toujours, il y a des chaises. Il y a toujours des chaises, quelque part. Il y a toujours des chaises. Voilà. Alors, toujours encore, vous voyez, des chaises. Des chaises. Toujours des chaises. Et des chaises encore. C'était son truc. Donc, bien sûr, elle a même fait aussi des natures mortes. Et puis alors après, il y a toute une partie de ces paysages. Alors ici, c'est aussi, comme on voit la photo ici, c'est toute une série qu'elle a appelée Herbe Folle, avec des trucs rouges. Voilà. Et il y a tous ces paysages très minimalistes, très... un peu sinistres, je dirais. Bon, voilà. Très bizarre. Qui reflète quand même un peu son état d'esprit, qui est... Voilà. Vous voyez un peu, c'est spécial. Hein, alors là aussi, vous voyez, par exemple, là, c'est la commande qu'elle a eue pour photographier les gens qui travaillaient à Rungis. Voilà. Voilà. Ça, c'est encore... Qui c'est? Ça, c'est Coppola, Sophia Coppola, Raphaël, Beatrice Dalle, Emmanuel Béard. Et puis alors, là, moi, j'aime beaucoup cette photo de Laetitia Casta qui fait la couverture. Elle a fait beaucoup de photos d'elle, vous voyez, encore elle. Ça, c'est Catherine Deneuve, Mastroianni, Laura Smet. Alors, dans ce livre, chaque personnage qui a été photographié écrit un peu la relation qu'il a eue avec elle. Donc, c'est un très beau livre, vous voyez, Sophie Marceau. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein. C'est surtout beaucoup de femmes. Voilà. Isabelle Huppert. Voilà. Voilà un peu ce livre aux éditions La Martinière, voilà, qui vaut autour de 35 €, je crois. Voilà. Donc c'est vraiment une photographe qui a laissé une trace un peu fugace, parce qu'elle n'a pas eu le temps vraiment de montrer des photos extraordinaires, de vivre longtemps. Donc voilà, évidemment le clan de Gainsbourg, Doillon et de Birkin, ça a été très touché par sa mort subite. Son fils aussi, on ne sait pas très bien comment elle est décédée, comment elle est morte. Voilà, on ne le saura jamais d'ailleurs, mais bon, reste des photos, c'est toujours pareil, reste ces photos. Voilà, c'était une petite vidéo, c'est un livre qu'on m'avait offert pendant les fêtes, que j'ai trouvé très beau. Je ne connaissais pas bien la Kate Barry, mais maintenant, voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre qui existe, et puis ma vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau portrait de photographe. A bientôt, salut, ciao.